Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier jour des vacances. Aujourd'hui, c'est le départ. On est vendredi 13 août et il est 8h30. Donc là, on s'est réveillé un petit peu tôt pour bien fatiguer les enfants, fignoler les petits bagages pour partir à 11h. Bon, ça y est, on est 1 heure plus tard. Les enfants sont prêts. Lui, j'ai dû le doucher parce qu'il a fait un caca, mais jusqu'au dos. Ludo, il est parti amener Lucky chez sa nounou, du coup. Et voilà, il nous reste plus que les chargeurs. Le chargeur, je le prends. La poussette, j'espère pouvoir la prendre, mais je pense pas. Là, j'ai déjà fait un paquetage dans le coffre. Il nous reste encore tout ça, nos vestes. Voilà. Donc, j'espère qu'on va pouvoir tout mettre. On va voir. Et mon sac. Voilà, ça c'est notre petite voiture de voyage. On a réussi à tout caler. Là, ça y est, on a dépassé Aix. Et là, on est sur l'aire de L'Anson-de-Provence. Il y a tout, il y a KFC, il y a Paul, il y a même la grande récré et tout. Donc voilà, on va s'arrêter manger. Il est 13h. On a dû rouler quoi? 1h30, 2h. Il nous reste 3 heures pour aller à Castres. Castres, c'est juste à côté de Carcassonne. Donc voilà, les enfants, ils ont dormi, donc nickel. Regardez, le coffre, il est quand même bien blindé. Et les enfants, pareil, hein. Voilà, on a mis le petit carré de jeu au milieu. Et le petit Lulu, il est là. Ouais? Petite pause, ça y est, là on s'est arrêté, on est sorti de l'autoroute. Je commence à avoir un petit peu mal à la jambe, hein, parce que, hein, mine de rien, j'ai roulé 4 heures. Donc là, on est au milieu de rien, il nous reste 1h30 de route. Donc là, comme il est 6 heures, voilà, on a pris les biberons, les goûters. Je ne saurais même pas vous dire. On est à Morélan. Voilà. C'est joli. Des fois, des fois, il nous fait sortir de l'autoroute pour pas être dans les bouchons. Donc, des fois, on découvre des petits villages et tout. On a passé Nîmes, Arles, on est passé à côté de Montpellier. Enfin, voili voilou. Ludo, je sais même pas où il est parti. Il est parti visiter, je pense. Donc, voilà, on va repartir là d'ici un petit quart d'heure. Le temps de finir le bibi et tout. Et voilà, 1h30 de route. C'est toi qui conduis? Bah, ok. Non, là c'est Ludo qui va conduire parce que là j'en ai marre. Je vais me regarder un petit film et puis voilà, ce soir on dort dans un hôtel, dans un domaine je crois. Enfin, on va voir ça, je vais vous montrer. À tout à l'heure. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain, donc le samedi 14 août. Donc là, on vient de se réveiller, il est 8h30. Non, il est 8h. Voilà, on est tous prêts. Cette nuit, on a dormi dans un domaine, dans une chambre d'hôte. On va aller prendre le petit déjeuner après. Du coup, hier, on arrivait super tard à Castres. On arrivait à 20h30. Donc direct, on a été dans Castres manger au restaurant. On a trouvé un Mexicain. Et voilà. Parce qu'en fait, avant d'arriver à Castres, on avait 1h30 de virage. Et on a donné le biberon à Mathéo. Il a vomi. Donc c'était un petit peu galère. Heureusement, il n'avait pas plein la voiture, hein, comme c'est pas à nous. Mais du coup, voilà, on a dû faire une bonne petite pause pour vraiment qu'il reprenne bien ses esprits, qu'on roule doucement et tout. Mais ouais, faut qu'on pense à. Bah, on pensait pas qu'il y avait autant de virages et tout, donc on le saura quoi. Le biberon de 6 heures, faut qu'on fasse gaffe. Là aujourd'hui, on a encore une bonne après-midi de route pour aller au camping. Là, c'est direction les îles d'Oléron. Donc on est à 5h30. Donc on va essayer de se faire 2h30 quoi, on va dire 5h. Et voilà. Donc c'est parti. Je vais vous montrer la chambre quand même où on était. Alors ça c'est la porte. On a la salle de bain, bon, rien d'exceptionnel. Bon après on est rentré à minuit, on a juste fait nos douches. Et là il est 8h et on repart déjà. Au niveau de la chambre, voilà, en fait c'est un château ici. Donc on avait trois lits. Au final, Ludo, il a pas supporté de dormir là. Donc Victoria, elle est venue un petit peu, mais après, elle est retournée dans son lit. Au final, Ludo, il a dormi là. Et le lit parapluie, on l'avait mis entre ces deux lits. Donc finalement, tout le monde s'est endormi. On était tellement fatigués que voilà, on a une grande fenêtre.
Voilà, et on a la petite vue sur dehors que je vous montrerai après. Voilà, papa il a commencé à charger. Kiki il est là, on va lui donner le biberon et voilà. Victoria fait de la balançoire là-bas. C'est chaud. De petits recoins, plein de petites chaises. Je pense qu'on va prendre le petit déjeuner dehors. Il y a même une pierre tombale là derrière. Ça fait un peu flipper. D'ailleurs, on a tellement, enfin, on a rigolé hier soir et du coup, on a bien flippé cette nuit. Ah, mais il y a papa aussi. Regarde, il a la balançoire. Ah bah, elle est là, la pierre tombale, juste devant la balançoire, quoi. Super. Hashtag. Et ouais, toi t'es pas prêt de m'en faire un quatrième, hein? Bon, je vous prends, ça fait un petit moment. Ils font dodo. Dodo il a pris le volant là il y a un quart d'heure parce qu'il y a que des bouchons. Ce midi on s'est arrêté du coup. On s'est arrêté. Ah, juste avant Bordeaux. On a mangé et là on s'est tapé après manger une heure de bouchon et là ça continue donc c'est pour ça. Dodo il va prendre le relais parce que je commence à avoir mal aux jambes. Finalement j'ai conduit quoi 3 heures, 3 heures et demie. On avait 5h20 de base. Ouais, donc, mais là ça, il y en a qui se sont rajoutés hein, au moins une heure. Hein. Ouais, donc j'ai dû conduire 3h30, truc comme ça. Là on devait arriver à 5h, finalement on arrive à 6h. Donc on va voir. Fini. On a le camping de dispo, enfin on avait le camping normalement de disponible à partir de 16h, donc on verra à quelle heure on arrive. Pour l'instant il dort, mais bon on peut pas avancer donc c'est un peu chiant. Et voilà, sinon bah tout va bien, on a hâte d'arriver quand même. Hein. Ça y est, on passe le pont. Encore 20 minutes peut-être. Ouais, là on va aller dans cette île là. Ça y est, on est arrivé. Ça y est, on est arrivé dans notre petit mobilhome. Voilà, là c'est les toilettes. Là on a la salle de bain. Et notre chambre. Et puis la petite terrasse. Qui